Bonjour à tous, c'est Oracle 90, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite partie de... On continue l'aventure sur Pokémon Platine Random Nuzlocke. Dans l'épisode précédent, on a donné une potion secrète à Jamie. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, on a donné une potion secrète au psychopathe qui me barrait la route. Donc là, ils sont partis et Cynthia nous a intercepté, on va dire. Elle nous a demandé d'aller voir sa mamie et de lui donner celui écrit. Donc voilà, on continue. Ah la bonne, toujours. Oh, un starter évolué. Oh là là, niveau 30 en plus. Mais quel dommage, mais quel dommage. Dommage parce que on a déjà capturé Pokémon dans cette zone. C'est vraiment dommage. Arakdo. Allez, on s'en va. Bien sûr, au revoir. Oh la punaise. Donc là, on les a battus. Le couple, on va pas le toucher pour le moment. Le bordel. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait peur. Corion. Un Pokémon de type psy, je crois. Allez, vol. Point éclair 1. Oh putain, elle avait point éclair. Salopard, il avait point éclair. Allez, vitesse extrême. Vol. Save. Ok, on l'a évité. Voilà, c'est réglé. Chafron. On va changer de Pokémon pour c'est la brase. Dynamo point. Bon. Normalement c'est pas le shot. Contre un Pokémon du type normal. Ouais, donc one shot, parfait. Ok, parfait. Ah ouais, il était caché, hein. Ça bien. Ok, donc ça peut être dangereux. Le saumur. Ah là là là. Allez, vas-y, dépêche-toi. Donc one shot. On va changer Pokémon pour
Allez, c'est la braise. Tonnerre. Donc on a bien fait changer Pokémon. Alors. Bon, avec lui on va pas résister. On va mettre tout ce qu'on a, éruption. Parfait, one shot. Voilà. Aéromite. On va changer, on va envoyer mon show. Parce qu'Aéromite c'est aussi un Pokémon psy en fait. Et comme c'est ma base, c'est aussi un Pokémon combat, le psy va tuer le combat en fait. Bon, on a du bol. Mon show est super rapide. En plus, c'est le niveau 40. Quoi. Donc, c'était one shot assuré. Quelle route là? Parce que je n'ai pas envie de me faire arnaquer. 70. D'accord, on est arrivé à Celestia. Ok, sans trop de mal. Presque. Bon, là, on doit trouver une petite mamie. Bon, en attendant, on va profiter de pour visiter cette ville et pourquoi pas trouver aussi quelques objets intéressants. Il y a un Pokémon qui a créé la région Sinnoh. Analogique. Ouais, c'est... Attends, c'est quoi la montre analogique? Tac. Tac. Calculatrice. Ça. Ah, c'est ça! Ah bah, ça pue la merde. Ouais. C'est pas arnaqué. Bref. Ah, le petit placement. Poudre éclair. Je sais pas ce que c'est. Poudre éclair, plutôt. Bon, c'est où on apprend l'attaque surf? Parce que là, ça commence à me saouler un petit peu le souvenir. Remarqué, je suis un petit peu malade. Le rhume des foins, je crois. Enfin, c'est pas le rhume des foins, c'est plus le changement de temps en fait. Et passé, était super chaud jusqu'à hiver précoce, quoi. Enfin, super froid. Attends, 21. On n'est pas déjà allé. Attends, je crois qu'on a déjà capturé un Pokémon là-dedans. Je suis pas sûr. Donc, qu'est-ce que tu proposes, mamie? Ok. Et toi, vieux papy, qu'est-ce que tu t'as proposé? Ok. Ah, une lunette noire. Je crois que c'est pour les Pokémon de Titanium, je crois. Ça améliore leurs attaques. Bon, on va aller dans cette bâtisse. Et là... Papa. Ok,
Attends, qu'est-ce que c'est? À la naissance de ce Pokémon, l'intelligence est répandue parmi nous. Pour améliorer notre résistance à la naissance de ce Pokémon, les émotions qui sont apparues pour nous donner joie et tristesse. À la naissance de ce Pokémon, la volonté s'est répandue pour nous encourager à agir. C'est pas très. Enfin, c'est profond, mais. Sans plus, quoi. Bon, allez. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi ils se sont appelés la Team Galaxy. Je vois pas pourquoi. Ah, Lilia. Ah, c'est super efficace. C'est super efficace. T'es niveau 32. Oh putain, il tient bien en plus. Tempête verte. Ça va être vraiment efficace. Hein. Allez, c'est bon, bien sûr, au revoir. Niveau 32, ok. Barbicha, on va changer Pokémon. Il y a Quack-Quack. Je crois que c'est à la fin un Pokémon haut et un Pokémon seul en plus, Babicha. Il ressemble à un poisson chat en plus. Allez hop. C'est bon, on l'a eu. Ah, c'est elle la vieille vanille. Je vais peut-être soigner au cas où. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a encore des membres de la Team Galaxy qui se trouvent dans la grotte. Bon, on va voir. Putain, lui là, ça me met trop de temps à évoluer. Je crois que je vais l'entraîner en off en fait. Parce que ça devient vraiment un petit peu chiant. Donc là, il parle des trois Pokémon. Oh là là. Apelios. Donc je crois que c'est le chef de la Team Galaxy. Une ordure, quoi. Allez, c'est parti. Bon, on va peut-être perdre hein, dans cet épisode, dans ce combat. Ok. Ah, Rachid.
donc ça va être un petit peu plus difficile. Le show de Pokémon, on va envoyer Tinabraz. Non, super. Ok, si tu veux, ça va rien me faire. Changer, on va aller bon chaud parce que ça peut être dangereux un Toxic. Je crois qu'il est type normal et vol, je crois. Ah, pas ça. Ouh, bien fait d'avoir changé. Et en plus, c'est plus rapide que moi. C'est pour ça que j'ai changé de Pokémon, que j'ai envoyé à Coquac, parce que Vital System ça permet d'attaquer en premier. Ok, donc niveau 37, c'est parfait. Hydro-canon, oh là là. Attends, faut que je réfléchisse un peu. On va garder tel qu'ils les attaques qu'ils sont, parce que ça du fait. On va changer, on va envoyer Sylveon, parce que c'est Viper, je l'ai jamais joué en fait, donc je sais pas trop comment il est, enfin surtout quand il est random en fait. Donc ses attaques et tout sont random. Boule armure. Allez hop. Boule armure. C'est pas grave. Et puis là c'est une attaque de type CP en fait. Et ses vipers est vachement rapide hein, par rapport à sa même race. Surf parfait, je vais le donner à Coquac. Bon là je vais pas tarder, je vais lui. Attends, j'espère qu'il va prendre l'attaque surf quand même. Wow. Donc je vais la prendre à Coquac et aussi à Ptera. Je vais enlever Damoclès à Ptera. C'est une attaque puissante, mais il perd aussi des PV. Donc c'est ma prod, je vais pas la prendre. L'attaque surf, eau et feu, bon, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, bon, Ptera, je vais le faire quand même. Bon, on va aller soigner nos Pokémon. Ah Cynthia, tu vois bien ici, tu as vu ces jours bizarres, hein, mais du monde Galaxy.
qui abordent des frappes au micro qui les croient inoffensifs avec leur tenue extravagante et le drôle d'histoire à propos d'un nouvel univers. Je pensais que c'était des blagues, qu'il n'y avait rien de sacrité. Et il cause plus d'ennuis que je m'y attendais. Ok, merci Sinicha. Bon, là on va les soigner, puis on va s'arrêter là. Parce que j'aimerais entraîner mes Pokémon. Hein. Ils ont vraiment besoin. Je vais tous les entraîner jusqu'au niveau 40. Allez hop. Bon, on va sauvegarder là. Parce que j'ai pas envie non plus de tout recommencer. J'ai déjà fait deux fois, je crois, en plus. J'ai fait ces conneries. Enfin bref. Allez, on se revoit.